Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'occuper de l'entretien de cette voiture. Non pas qu'elle ait été mal entretenue, loin de là, bien au contraire, puisque j'ai un paquet de factures, c'est une voiture qui a toujours été super bien suivie. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois Valentin de la chaîne PGMA. Va t'abonner à PGMA pour soutenir le projet Super 5 et tous les projets qui vont venir qui vont être un peu dingues. Mais disons que voilà, moi j'aime bien quand je récupère une bagnole, on a vu qu'il y avait 2-3 trucs. Au contrôle technique, ils ont signalé 2-3 trucs. Donc bon, c'est une bagnole qui est en très bon état intérieur, extérieur. Ça serait con d'aller la péter en négligeant la mécanique. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette petite W201 ? Eh bien écoute, c'est de l'entretien basique, c'est de la pièce d'usure, c'est tout ça. C'est en gros, au niveau des freins, les disques, plaquettes, étriers, flexibles. Alors les flexibles, simplement, ils commencent à être vieux, c'était noté sur le contrôle technique, ils commençaient à être usés de mémoire. Les étriers, c'est simplement qu'ils restent grippés par moment. Voilà, bah oui, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé. Disques et plaquettes, simplement que quand on a démonté les roues arrière pour faire une purge de frein avant de partir, histoire de changer le liquide, parce qu'il paraît, il était un peu spongieux. Du caramel au beurre salé, des deux sèvres. Ah. On s'est rendu compte que les disques à l'arrière étaient un peu bleus, ils étaient un peu voilés, ils étaient un peu creusés, les plaquettes. Bon, tant qu'à changer les disques, vas-y, on repart tout à neuf. Donc 4 étriers neufs, la totale, au moins. Les freins, c'est un truc avec lequel je ne déconne pas. Voilà, c'est le seul truc qui t'arrête avant le mur. Et il y en a qui vont me dire, t'as pas besoin de freins, freiner, c'est pour les lâches. Ouais, mais si tu freines pas, t'es con. Ensuite, la fameuse courroie accessoire, parce que comme tu peux le voir, elle est légèrement... Elle a fait son temps, on va dire qu'elle a été rentabilisée. Le tampon de cric, ça je te montre. En gros, le tampon de cric, c'est ici. Tu vois, normalement, tu es censé avoir un tampon. Donc là, je vais décaper toute la tôle, la repeindre, la protéger. Si jamais elle est vraiment trop attaquée, à ce moment-là, on s'amusera à faire de la découpe et de la soudure. Mais si je peux éviter, ça m'arrange, honnêtement. J'ai un peu la flemme, voilà. Surtout qu'en plus, je dois le faire sur la bagnole d'un collègue qui vient le week-end prochain, ça, les supports de cric arrière. Mais bref. Ensuite, le grand classique vidange, moteur, boîte, pont et les filtres. Voilà, comme ça, je repars à zéro, je sais quand ont été faits tous les trucs. Et la fuite de liquide de refroidissement. Ça, je sais plus si je t'en avais parlé dans la vidéo de présentation de la bestiole, mais disons qu'elle consomme beaucoup. Beaucoup. Voilà. J'ai pas calculé exactement, mais je crois que depuis que je l'ai récupéré, j'ai dû remettre au moins 15 litres dedans de liquide de refroidissement. Et la fuite, en fait, je vais te montrer après, mais la fuite se situe sur le côté du moteur. Voilà, je pense que c'est une durite de chauffage. Mais comme tu le sais, au Panzer Garage, le système de refroidissement, c'est toujours un sacré plaisir. À croire que la vie veut que j'achète du Volkswagen Aircooled, ça n'arrivera pas. Même s'il faut jamais dire jamais, ça n'arrivera pas. Donc écoute, je vais déballer tout ça, le poser sur la table qui est derrière moi, et puis on va y aller dans l'ordre. Voilà, faut pas se mélanger les pinceaux, on va y aller dans l'ordre, en fur et à mesure, d'où le petit plan d'attaque qui est dessiné sur un carton que je t'ai montré. Avant de me salir les mains et d'avoir le visage tout noir en faisant de la mécanique sur cette merveilleuse voiture, je voulais te parler rapidement d'un événement auquel je participe les 5 et 6 octobre 2024 à Kiskrif dans le Morbihan. Voilà, c'est le Braze Run, la première édition. C'est une journée, tu prends ta caisse, 400 mètres, départ arrêté, départ lancé. Il y aura plein de stands, il y aura de l'ambiance, il y aura du monde. Donc écoute, si jamais tu souhaites me rencontrer, venir discuter ou tout simplement choper du merch et admirer la W110 qui sera là. Et non, la W110 ne participera pas au run, simplement que j'ai pas envie de péter ma bagnole de tous les jours. Et deux, de toute manière, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Donc au niveau des normes, je suis foutu. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc écoute, n'hésite pas à venir soutenir les sports mécaniques en Bretagne. On a déjà pas beaucoup d'événements. Donc honnêtement, ce genre de truc, je suis pas un super fan de vitesse, tu le sais. Mais moi, voir des mecs exploser leur bagnole sur un 400 mètres départ arrêté, moi je trouve ça rigolo. Voilà. Donc écoute, rendez-vous à Kiskrif les 5 et 6 octobre 2024. Ça serait qu'un grand plaisir. Sur ce, écoute, on va aller salir un peu les mains. Alors, je vais pas te mentir, j'ai rarement bossé sur des bagnoles aussi récentes que la W201. Voilà, pour rappel, elle est de 1986. Moi, je suis plutôt habitué aux bagnoles des années 50-60. En gros, voilà tout. Alors, je te vois venir. Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, Ridex, c'est de la merde !» Ouais, je connais cette théorie, oui. Pour certains produits, notamment, par exemple, je pense aux plaquettes de frein, je prendrais peut-être pas du Ridex, tu vois. Voilà. En revanche, pour un étrier de frein, je vois pas le problème. C'est pour ça que les disques, on a pris du Brembo, pour la grosse sportive dieselisée que c'est. Des comiques, hein ? Et les plaquettes, c'est du Brembo. Mais honnêtement, entre nous, je pense que tout
tout ça, ça vient des mêmes usines, faut pas rêver. Donc, eh ben, on va commencer par quoi ? Moi, j'ouvre la porte sans savoir par quoi commencer. On va commencer par tout ce qui est sous le capot, et je ferai les freins et tout ça après, parce que pour l'instant, elle freine correctement, mais là, si jamais j'ai besoin de la bouger, au moins, ça l'immobilise pas, tu vois. Là, eh ben, écoute, tout ce qui est sous le capot, eh ben, j'ai bien envie de tenter la courroie d'accessoires en premier. Ouais. Courroie d'accessoires et la fuite de liquide de refroidissement, faut que je la trouve aussi, parce que pour ça, je vais sûrement avoir des pièces à commander. Là, il y a bien celui de la marée. Comme on dit dans le gaming, let's go. Ça, c'est trop pratique pour bosser sur le moteur, putain. Enfin, une bonne chose. Alors, bon, eh ben écoute, il est propre le moteur, c'est beau. Alors, pour commencer, je vais commencer par la courroie. Parce que la courroie, je sais pas si tu l'entends là, mais elle est morte. Alors, je vais pas te mentir, je ne sais même pas comment on change une courroie sur un moteur comme ça. Je vois un ressort qui a l'air de tendre un galet en dessous avec un amortisseur ici. Donc, à mon avis, il y a quelque chose comme ça. Je te cache rien, tu le sais. Je me renseigne avant et je vais faire comme tout le monde, je vais aller voir un petit tuto YouTube voilà, sur comment changer une courroie sur une W200. Ah, par contre, je remercie aussi énormément un abonné qui m'a envoyé un message suite à une story sur Instagram, là où je mets tout en direct, et qui m'a dit « Sur ton plan d'attaque, Jim, t'as oublié un petit truc ». Oui, en effet, j'ai oublié le préchauffage parce qu'elle préchauffe plus. Donc, faut régler ça aussi comme problème. Surtout qu'en plus, j'ai 4 bougies neuves que Valentin de PGMA m'a filé avec. Il m'a filé d'autres trucs. Tu vois, comme si j'avais pas assez de boulot, en fait, sur la bagnole, il m'en a rajouté. J'ai un filtre, ouais. Un filtre. J'ai des butées d'amortisseurs avant, parce que les butées d'amortisseurs avant sont mortes. J'ai des soufflets d'amortisseurs, parce que les soufflets sont morts. Et j'ai 4 bougies de préchauffage. Bon, tu sais quoi, on va prendre le carton, on va le vider sur la table avec le reste. Et le moment où la table sera vide, franchement, ça sera déjà pas mal. On aura fait beaucoup de trucs. Je suis même pas sûr que j'aurai le temps de tout mettre dans une seule vidéo. Ah non, monsieur, ça n'est pas possible, non. Mais bon, de toute façon, je vais pas faire une vidéo tuto, je vais faire une vidéo condensée des travaux, parce que sinon, ça va être sans fin. Et puis, il y a Francky qui attend derrière. Hein. Merde, voilà. Ok. Oui. Eh bien, écoute, je ne comprends pas. Sur Internet, nous n'avons que des tutos vidéo pour les changements de courroie d'accessoires sur les moteurs essence. Encore une fois, le diesel est sous-estimé, le diesel est rabaissé. Quelle indignité. Mais heureusement, il y a la RTA. Bip bip. Et dans la RTA, en fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Ils disent juste de mettre un levier dans un truc pour faire bascule. Ça détend, on enlève, on met. Merci la RTA. Alors a priori, il y a juste un levier à mettre là-dedans. On fait levier, et après on enlève la courroie. Il faut juste trouver un tube du bon diamètre. Eux, ils parlent d'un tube de 13 mm. Donc, écoute, je vais essayer de trouver un tube qui rentre là-dedans. Il doit bien avoir ça qui traîne quelque part dans le hangar. Plein de trucs partout ici. Un tube de 13 mm. Ouais, bon, c'est une grosse vis. Ça fait 13 pile poil, ça rentre dedans. Bon, j'imagine qu'il faut virer sûrement une vis parce que sinon, je vois pas comment le faire basculer. À mon avis, ça doit être celle-là. Il faut desserrer ça. Je retourne voir la RTA. Une minute, 37 secondes, später. Alors, la vis de blocage, j'imagine que c'est celle-là. Je la desserre. Voilà. À mon avis, il faut faire... Je ne sais pas comment. Putain, j'ai l'impression de faire une connerie. Il faut que je desserre celle-là aussi, hein, peut-être un peu. Ah oui, ouais, c'est ça. Ok. Ok, donc là, il faut que j'enlève ça, parce que je suppose qu'il faut enlever celui-ci. Non, ça, faut l'enlever complètement aussi. Ouais, c'est bizarre. Ah, putain, d'accord. Ah oui, ah d'accord, la vis, en fait, elle traverse complètement. Ah, donc en fait, bon, maintenant que j'ai enlevé, du coup, j'enlève ça, la vis, la coulisse. Putain, fais chier. Il y a le faisceau qui casse les couilles, là. Mais putain, ça, c'est simple, sur le papier. J'aime pas les trucs sous tension, en plus. Souvent, je m'éclate un doigt. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, mais c'est chiant avec ce câble-là. Puis, me connaissant, je vais péter un truc. Ah, mais attends, je peux pas plier un peu la patte. Ah, voilà. Là, voilà. Là. Oh, comment elle craque, la courroie. Je ne regarde pas du tout comment c'est fait. C'est peut-être pas très intelligent de ma part.
Bon, de toute façon, j'ai la RTA, il y a marqué le passage. Pour la remettre en place, mon gars, ça va être un cadeau, par contre. Putain, merde, elle est où, la courroie? Elle est là. Allez, viens, gamine. Hop. On fait passer les pales une à une. Hop. Quoi qui bloque? Il y a un truc qui bloque. Un truc qui bloque. Ah, putain, la courroie, elle s'est barrée comment, là? Oh putain, vas-y, ça va me saouler, ça. C'est mort, je ne pourrai jamais aller la remettre. Ok. Là, je l'ai enlevé d'un galet. Ça doit être ce qu'on appelle un galet tendeur. Ah oui. Il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit, il a pas de jeu. Donc déjà, ça c'est bien. De là, la courroie. Putain, mais elle passe. Mais c'est quoi ce merdier? C'est un bordel. Putain, mais. Ok. Putain, mais elle a encore enroulé où là? Et merde, elle est encore coincée quelque part. Elle est coincée là. Hop. Ah, ah putain, mais c'est quoi l'intérêt de mettre des trucs aussi longs? Bon, bah écoute, là clairement. Clairement, je pense qu'on peut dire qu'elle a fait son temps. Bon, ça a l'air d'être les mêmes. Ça déjà, c'est cool. Maintenant, comment je repasse ça dedans, vu comment j'en ai chié pour l'enlever? Oh, vas-y, je vais aller manger avant, là, parce que... je m'énerve un peu vite, quand même, des fois. Je m'énerve un peu vite. Surprise, motherfucker! Oh, putain! Putain, ça enregistrait pas. Bah, courroie changée. Voilà. Bon, en gros, en fait, j'ai dû enlever l'hélice et j'ai dû enlever le cache, là. Parce qu'il y avait vraiment strictement aucune place pour pouvoir passer la main dedans. Bon, après, techniquement, une fois que t'as enlevé le cache et l'hélice, honnêtement, c'est assez simple. Et pour ceux qui vont poser la question, oui, l'amortisseur est bon. Il est dur comme il faut. Bon. Et ben, voilà. Alors, bah, écoute, courroie accessoire, c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de la vidange moteur boîte pont et de la fuite de liquide et du préchauffage. Alors, avant d'aller faire la vidange, parce qu'en fait, il faut aller sous la bagnole, donc il faut lever la bagnole, il faut enlever le cache. De toute façon, j'ai perdu des outils dans le cache en plastique qui est sous le moteur. Donc, bah, j'ai pas le choix, il va falloir que je les récupère. Voilà. Non, avant, on va faire ce qui est accessible par le dessus, c'est-à-dire la fuite de liquide de refroidissement et le préchauffage. Alors, pour ça, bah, les bougies de préchauffe, elles sont là-dessous. Donc, j'ai l'impression qu'il faut virer le collecteur d'échappement pour les atteindre. Ou tout du moins, le filtre à air, c'est sûr, déjà. Mais pour ça, heureusement, j'ai ma fidèle RTA. Voilà, donc je vais même pas me prendre la tête. Je vais suivre la RTA, je vais regarder comment on fait ça. Ça devrait bien se passer. Équipement électrique, alternateur, dépose, repose. Courroie, c'est fait. Démarreur, ça parle pas d'autre chose. Ça va être dans le moteur, alors. Diesel, faut que j'arrache les pages pour le moteur à essence. Ça me stresse. Alors, culasse, on va peut-être pas faire ça de suite, hein, on va attendre un peu. Je veux pas démonter tout le moteur, je veux juste voir les bougies de préchauffage. Eh ben, il n'y a pas. Ou alors, j'ai mal cherché. Écoute, on va le faire à ma manière. Système D. Voilà. Alors, bah écoute, pour les bougies de préchauffe, je vais faire simple, grosso merdo. Je vais démonter... Le boîtier d'admission d'air, non? Non, il va même pas m'aider. Non, en fait, je suis obligé de démonter l'admission. Et pour démonter l'admission, il faut démonter les tuyaux d'injecteur. Non, c'est pas cool, ça. Mais attends, mais c'est pas possible. C'est pas aussi mal branlé que ça, quand même. Non, attends, c'est pas aussi mal branlé que ça. Je les vois, mes bougies de préchauffe, là. Elles sont là. Ah, l'accès est pas fifou, hein. Ah, les vieilles bagnoles, c'est facile. Mon cul, ouais. Bah, oh, ça a pas l'air vieux. Une clé ne passera pas. En fait, ouais, je pense que je vais être obligé de tomber le collecteur. On va tomber le collecteur et je vais tomber aussi la boîte à air de toute manière. Puisque de toute façon, il faut que j'accède en dessous pour la fuite, la fameuse fuite de liquide de refroidissement qui est dedans. Donc bah c'est parti. Démontage. We'll be right back.
Voilà, collecteur démonté. Bon, pas de surprise particulière, hormis là. Là, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gras. Alors, je me demande si j'ai pas un injecteur qui fuit ou... Ouais, après, j'ai pas amusé. J'ai pas commencé à démonter toute la bagnole, putain. Là, maintenant, mes bougies de préchauffe, elles sont alimentées par ce truc-là, là, par la petite nappe qui est là. Donc, il y en a 4, forcément, 4 cylindres, 4 bougies. Hop, elles sont toutes accessibles, c'est cool. Par contre, là où je suis un peu foutu, bah, c'est que je suis obligé de recommander un joint de collecteur, parce que là, ouais, bon, celui-là, il est sec. Donc, bah, je vais commander ça. Et aussi, j'ai pété un truc au démontage, donc c'était un peu évident. C'est les durites de renifleur comme ça. Bon, celle-là, elle est craquelée. Là, tu vois, elle est craquelée ici au bout, là. Voilà, donc là, bah, pareil, ça, faut que je la change. L'avantage des pièces Mercedes, c'est qu'elles sont toutes gravées dessus. Donc au moins, voilà, tu peux recommander nickel. Et là, j'ai bah, la tétine du bout ici qui a pété. Voilà, au démontage, le plastique était trop dur et trop sec. Donc pareil, j'ai pris la ref, il faut que je commande. Donc là, tétine, durite et joint de collecteur d'échappement à commander avant de tout remonter. J'avais pas prévu, mais c'est vrai que je suis con, j'aurais dû anticiper ça. Évidemment, le joint de collecteur d'admission, à chaque fois, bah oui. Et en général, ça survit pas au démontage. Bref, non, sinon, franchement, c'est relativement propre. Je vois pas de soucis particuliers. Même là, l'amortisseur d'accélérateur, il est encore bon. Et là, on en arrive à l'endroit où je vais te montrer la petite fuite de refroidissement. Là où je me doute que c'est ça qui fuit, c'est que, je sais pas si tu verras, non, évidemment, on voit pas. Là d'ici, tu vois bien, il n'y a pas besoin de te faire un dessin, tu vois tout le liquide vert qui est en dessous, c'est du liquide de refroidissement. Et cette fuite, elle vient d'où? Elle vient à mon avis d'ici, de ce truc-là. Ça, c'est le départ pour le chauffage cabine. Décidément, tu vois, le chauffage cabine, j'aime bien. Et en gros, ouais, bah, y a du liquide de refroidissement un peu partout en dessous. Donc le but, c'est de savoir... Bah, comment que c'est branlé ce truc et pourquoi ça fuit. Encore, tu vois, ça serait une micro-fuite, un truc, vraiment, je perds 1 litre tous les 10 000 bornes. Bon, je dirais, bon, c'est pas si grave. Et puis, les fuites, ça se répare pas tout seul. Les produits magiques anti-fuite, pour des trucs comme ça, j'y crois pas. Donc, bah là, ouais, va falloir trouver pourquoi ça fuit. En tout cas, c'est tout dégueulasse autour. Donc, à mon avis, c'est bien de là que ça vient. Mais j'espère que c'est pas un truc trop emmerdant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Allez, bref, là, pour ce soir, j'arrête, il est 18h. Le temps de commander toutes les pièces, le temps qu'elles arrivent. Bon, je continuerai un peu demain, même sans avoir ces pièces-là, je ferai autre chose. Il y a tellement de trucs à faire, ça je m'inquiète pas trop. Mais voilà, bref, en attendant, bonne soirée et à tout de suite pour toi. Et hop, allez, deuxième jour au Panzer Garage. Donc là, concernant le joint de collecteur d'admission ainsi que des petits renifleurs, ça m'a coûté 15 balles entre le joint et les trois durites, du coup, la grande et les deux petites. Ça va, voilà, il y a pire. Bon, après, je les ai commandés sur Internet, donc le temps qu'elles arrivent, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, on va pas rester là sans rien faire. Il y a encore pas mal de trucs sur le fameux carton plan d'attaque. Là, idéalement, je vais m'attaquer à la fuite de liquide de refroidissement et changer les bougies de préchauffage. On va commencer par préchauffage. Donc voilà, j'ai les 4 bougies en neuf. Je vais pas me faire chier, je vais les changer. Oui, tu as remarqué. Oui, j'ai craqué sur le bon coin, il y en avait un à vendre. Moins cher que le prix du neuf, donc voilà. Et je te jure, c'est sacrément pratique quand même. C'est super pratique. Bref, assez par l'outillage, je démonte ça et je te reprends. Hop, bon, je te reprends en cours de route, simplement pour un truc tout con. Donc là, j'ai déjà changé les deux premières bougies de préchauffage. Voilà, donc serré à 20 Nm et tout le bordel. J'ai pas trouvé de couple dans la RTA, du coup j'ai regardé sur Internet. C'est du M12, ils disent 23, allez, on serre à 20, c'est bon, on est à plus ou moins 10%, donc ça passe. Ensuite, là en fait, le truc, si tu veux, hop, ici, là, j'ai une bougie de préchauffage qui vient se mettre. Sauf que si je la remets, ben, je vais t'emmerder pour mon histoire de fuite qui est ici. Voilà. Donc là, à mon avis, le truc, comment que c'est foutu? Ça a l'air de s'enlever, ça? Ouais. Ouais, ça s'enlève, ouais, ok. Donc ça, ça s'enlève. Je sais pas ce que c'est, d'accord. Ce qui me fait rire, c'est que je suis en train de poser plein de pièces là, à plusieurs heures d'intervalle. Quelque chose me dit que ça va être compliqué à la suite. Tout remonter. Je pense que c'est ce truc-là qui a desserré. Et après, en fait, c'est juste un... Ouais, c'est ça. Ça doit être juste ça à desserrer. Et en fait, à mon avis, ça doit être un joint torique qui est derrière, qui fuit, quoi. Par contre, avant de desserrer ça, ça serait peut-être intelligent de vidanger le circuit de refroidissement avant qu'il se vidange tout seul par terre. Je sais pas ce que t'en penses. Et pour ça, putain, faut que je vire la protection qui est sous la bagnole. Faut que je vire le carter en plastique, là. Et je vais être obligé de te lever sur chandelle parce que, bah t'es un peu basse, quand même. Allez. Eh ben, faut pas être pressé, en tout cas. Ah, une fissure et le pare-choc, là. Ouais. Bon, moi, ça m'a permis de voir que, bah, tu vois, les carters sont... Le carter est totalement rempli de liquide de refroidissement, comme tu peux voir. Bah, là.
Et puis au moins, ça m'a permis de retrouver un clip comme ça que j'avais paumé en bas, et puis je sais plus quoi, une vis aussi que j'avais perdu en dessous. Voilà, au moins j'ai... De toute façon, il aurait fallu que je le démonte de toute manière pour la vidange et tout. Donc bah écoute, je te reprends quand ça finit de couler. Voilà. Petit écran noir, 5 minutes plus tard. Et donc bah écoute, le temps que ça coule, ça me laisse un peu de temps pour te parler du sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que Ovoco. Alors Ovoco c'est quoi? Je t'ai toujours dit, Mercedes, l'avantage c'est que tu peux trouver des pièces partout. Même chez le concessionnaire, tu retrouves encore des pièces pour ce genre de bagnole. Malheureusement, par moment, il y a certaines pièces qui sont soit chères, soit introuvables. Ovoco en fait te met en contact avec plus de 5000 vendeurs de pièces d'occasion dans toute l'Europe. Ça te permet de trouver par exemple, moi tu vois, les fonds de compteur de ces moteurs-là, tu peux les trouver sur un site de petites annonces françaises bien connues. Mais bon, bah t'as les tarifs français quoi. Voilà, les mecs en France... On dit tes bêtises quelquefois. Oui. Donc sur Voco, c'est assez simple. Tu mets la marque, le modèle de ta voiture, la motorisation. Et là, tu as toute une liste monstrueuse de pièces pour ta voiture, que ce soit des pièces mécaniques, des pièces d'habitacle. Alors après, si jamais la pièce convient pas, tu sais, pour une raison X ou Y, bah au moins, c'est simple, tu as 14 jours, tu renvoies la pièce, tu es remboursé. Et pour te prouver que sur Voco, on trouve vraiment de tout pour tous les véhicules, j'ai même trouvé des pièces pour la W110 là-bas. Donc bah écoute, si toi aussi tu veux trouver des pièces rares et pas chères pour ta bagnole, je te mets le lien en bas de l'écran, voilà. Je l'enregistre dans tes favoris, je te le mets aussi en description et en top commentaire. Et puis sur ce, je te souhaite bah, une bonne chasse aux pièces. Allez-y, ça a dû finir de couler. Peut-être retourner voir un peu ce bordel. Eh bah écoute, on est pas mal. Bon, je pense que le niveau il est descendu largement assez bas. On va pouvoir desserrer, enfin du moins essayer de desserrer cet écrou là, ce balèze de truc. Mais après, pareil, j'ai l'impression que c'est de la durite rigide. Alors, c'est bien gentil de vouloir la desserrer, mais est-ce que moi, je suis sûr que ça vient de là, la fuite? Là, maintenant que j'ai un peu dégagé le bordel autour, je vais pouvoir regarder. Est-ce que je vois quelque chose de mieux avec une lampe ou quoi? On va voir. Ouais, bah, cherche pas, ça vient de là, la fuite. Ça vient de là parce que j'ai un peu de liquide juste en dessous. Et puis, de toute façon, ouais, tout le liquide, il est concentré à cet endroit-là. De l'autre côté, j'en ai pas, je crois pas. J'espère pas que ça fuit aussi ici. Non, il y a juste du gras. Du gras, et encore du gras. Le gras, c'est la vie. Alors, ça c'est des tailles de merde. Bon, ça va, ma clé, elle passe. C'est du 30 ou du 32, un truc comme ça. Hop, ça passe pas. De toute façon, quand je vois les marques dessus, j'ai l'impression qu'il a déjà été démonté. Ok, bon déjà, il est pas grippé. Putain, c'est cool, ça. D'accord. Comment c'est foutu? J'espère que c'est ça au moins. C'est bizarre, il y a tout qui tourne, putain, j'aime pas ça. J'ai l'impression que je suis en train de faire une connerie, mais je suis pas sûr. Ah, oh, pourquoi ça pue? Ah, j'ai mesuré hors caméra, c'est du 32, mais des clés de 32, moi j'en ai pas. Hormis celle-là, c'est la même que j'ai là-bas. Multiprise. Multiprise, ça sent la connerie, non? Tu crois pas? On peut essayer la multi, hein. Elle est où la multi? Multi! Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah si, attends, je m'en suis servi là. Ah bah, tout simplement. T'as jamais cette sensation quand tu fais de la méca? Cette sensation de faire une connerie? Voilà, c'est exactement la sensation que j'ai. Si ça se trouve, il y avait juste à le resserrer en fait. Vu comment j'en ai pas chié pour le desserrer. Non. Bah maintenant que j'en suis là, autant y aller à fond. Ah putain, je sais pas. C'est quoi le problème là? C'est quoi le problème là? Est-ce qu'il y a un pas de vis? Est-ce qu'il y a quoi? Il y a quoi là? Putain, je comprends pas. J'aime pas ne pas comprendre. Là j'ai l'impression de tourner dans le vide. J'ai l'impression de tourner un truc dans le vide et j'aime pas ça. Ah non, ça tombe dans le vide, ça. Ah ouais, c'est de la merde, ça. C'est quoi, ça? Il y a un pas de vis, il y a quelque chose, il y a quoi? Mais non, il y a rien. Putain, mais c'est pas possible. Ah non, c'est pas attaché. Bah ouais, c'est pas attaché, là. C'est déjà détaché. Putain, je comprends pas. J'ai desserré quoi, là? J'ai fait quoi, là? Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si c'est moi qui vous parle en ce moment, alors. Je comprends pas. Bon. Je fais une pause, je me renseigne et je vois ça. Et là, c'est le drame. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Putain!
il y a un problème. Enfin, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, on va dire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé pourquoi ça fuyait. Youpi! C'est un joint SPI qui était désintégré, tout simplement. Mais je pense qu'il n'y avait pas que ça. Ah! Comme tu as pu le voir dans le passage juste avant, je t'ai dit que il y avait des traces sur le fameux écrou que je suis en train de desserrer. Ouais. Bah, tu vois, le problème, c'est que maintenant j'ai ça dans les mains. Et que ça, vu les traces dessus, vu l'épaisseur de la tôle et vu la forme dont ça s'est déchiré, utilisons les mots comme il faut. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai demandé conseil sur Insta. Voilà, j'ai fait une story là où j'ai demandé un coup de main. Parce que quand on ne sait pas, il n'y a pas de honte à demander, de toute façon. Mais là, je sens que c'est une grosse connerie. Voilà. Après, j'ai trouvé aussi un joint ici. Attends, je le retrouve. J'ai trouvé un petit joint comme ça. Et comme tu peux le voir, il n'est pas rond du tout, le bordel. Il n'est pas du tout rond. Ça, en fait, le joint qui est là, c'est ce qui était entre ça et le bloc. Moi, je veux bien. Hein. Mais à mon avis, ce qui s'est passé, il y a un mec qui a dû essayer de démonter ça parce qu'il y avait déjà une fuite. Et en fait, il n'a rien dit. Et voilà. Sauf que là, à mon avis, vu les déchirures, il y a une partie qui est dans le bloc. Et niveau accessibilité, bon, c'est pas catastrophique, mais pour récupérer le morceau qui est dedans... Bon bah écoute, là, je vais arrêter de bosser là pour aujourd'hui, je pense que ça c'est un avertissement. De toute façon, je sais pas si ça peut être pire. Je vais foutre un drap sur le moteur, ou simplement fermer le capot, boucher l'admission, et le temps de trouver une solution à ça. Voilà. Donc je sais pas si la vidéo va s'arrêter là ou pas. Ça dépendra de plusieurs paramètres. Mais voilà quoi. Je suis dégoûté. Dégoûté. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le lendemain en fait des images que tu viens de voir. Et entre-temps, je me suis sacrément renseigné sur qu'est-ce qui a bien pu arriver. Et en fin de compte, la pièce avec l'hexagone que j'ai dans la main, non, la pièce n'est pas complète. Voilà. En fait, il y a toute la partie filetage qui est restée dans le bloc. La raison est simple, la pièce est en alu, le bloc est en alu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'alu, avec l'âge, dans un milieu humide, ça corrode, ça se soude. Et surtout, ça s'affine avec l'âge, ça se bouffe en fait l'aluminium. Donc là, résultat, moi, quand j'ai voulu desserrer, ça a pété direct, tellement on voit bien l'épaisseur qui est vraiment super fine sur la pièce. Donc ça a pété direct et résultat, voilà quoi, foutu. Là tu peux voir en fait, j'ai commencé à gratter un peu les filets dans le bloc. Alors c'est très compliqué parce que c'est totalement corrodé, il y a plusieurs épaisseurs sur le bordel. Le truc en fait, c'est que j'y vais mollo parce que moi je ne veux pas surtout abîmer le filetage dans la culasse. Tu vois, ça m'embêterait que pour une fuite de liquide de refroidissement, je sois obligé de sortir la culasse, déculasser le bordel et tout, la distrib à enlever parce que là-dessus c'est... un peu plus complexe que mes cascades de pignons habituelles ou mes trucs à chaîne habituels. Dans mon malheur, j'ai quand même un peu de chance, on va dire. Parce que la pièce, alors j'ai tapé la référence et j'ai trouvé la référence de la pièce et elle est introuvable. Sur Internet, tout le monde out of stock partout, plus en stock, indisponible, tout ce que tu veux. Je suis allé à la concession Mercedes, j'ai dit bonjour, il me faut cette pièce-là et le joint torique qui va avec. Le mec, il fouille et coup de bol pour moi, c'est que la pièce était dispo. Voilà, ils en avaient une en stock à Valenciennes. Donc là, le gars, il la commande, je suis allé ce matin. Donc le gars l'a commandé, le temps qu'elle arrive, il y a une journée ou deux, trois jours, parce que là, nous sommes vendredi au moment où je filme. Donc elle arrivera peut-être que samedi ou la semaine prochaine, mais bref, j'ai envie de te dire, c'est pas si grave. Là, j'étais prêt à attendre presque deux, trois semaines si je pouvais récupérer la pièce. En parallèle de ça, j'ai commandé aussi deux tarots. Oui, parce qu'il va falloir que je retarode pour redresser un peu les filets à l'intérieur, parce que certains filets, même en grattant tout doucement, des fois, tu es obligé de tapoter un peu et ça a légèrement déformé certains filets. J'ai commandé un tarot en M22, un tarot en M20, parce que je ne suis pas trop sûr de la taille du filetage, mais bon, de toute façon, après, je le verrai sur la pièce en elle-même. En fait, je mesurerai tout simplement. Alors, j'espère juste que c'est bien du M20 ou M22 par 1,5. Si ça note pas, je recommanderai tout simplement un autre tarot. Hein. Un tarot, c'est jamais perdu. On n'a jamais assez de tarot, de toute façon, dans un atelier. Alors, je t'avouerai que sur le moment, franchement, ça m'a foutu un sacré coup au moral parce que tu te dis, je fais un truc simple, quoi. Je fais un entretien simple de ma bagnole, tout ce qui est plus logique. Et évidemment, c'est encore une fois sur le circuit de refroidissement que le truc a pété.
Il y a un moment, j'ai vraiment envie d'acheter des Volkswagen Aircool, quoi, tu vois, des trucs refroidis par air. Mais ça n'arrivera pas. Donc bah bref, écoute, là, j'ai plus qu'à attendre les pièces. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas continuer l'entretien de la bagnole, tu vois. Je vais pas vidanger parce que, imaginons, je vidange, je mets de l'huile neuve, tout le bordel, et que pour une raison X ou Y, par exemple, en taraudant mon filetage, je le foire, je suis obligé de déculasser. Bah en fait, ma vidange, je l'aurai dans le sac, quoi. Donc bah, on va arrêter la vidéo là. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici. En tout cas, bah, vraiment désolé, ça se termine vraiment d'une manière improbable, comme d'habitude. Comme quoi, en mécanique, de toute manière, ça ne se passe jamais comme prévu. T'as beau prendre toutes les précautions du monde, il y a toujours une merde qui t'arrive sur la tronche quand tu bosses sur des vieilles bagnoles comme ça. Sur ce, bah écoute, heureusement, je peux compter sur la fidélité de ma W110. Elle, au moins, quand elle me lâche, c'est un truc, mais ça se répare, c'est simple et il n'y a quasiment pas d'emmerde. Voilà. Sur ce, bah écoute, on va quand même rester sur notre positif parce que faut pas déconner. Oui, des fois, il y a des emmerdes. Oui, des fois, c'est pas marrant. Sur le coup, ça met un sacré coup au moral. Mais moi, j'aime bien avoir le positif dans les choses, tu vois. J'aime pas rester bloqué sur un truc. J'aime bien avancer sur les projets. Et je t'avouerai que oui, le projet Franky, j'ai vraiment hâte de m'y remettre dessus. Et je me suis dit qu'avant de relancer le projet Franky, bah en fait, ça allait me prendre une journée ou deux de faire ça. Bon, raté. Sur ce, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que les nouveaux stickers du Panzer Garage sont disponibles. Voilà. Donc avec le nouveau logo, tout ça, imprimé en France, fabriqué en France par l'entreprise d'un abonné. Donc bah merci à Jean-Noël en tout cas. Tu peux retrouver les stickers sur le Panzer Shop. Et pour les fringues, écoute, c'est en cours de fabrication. Normalement, tu les retrouveras au Braze Run à Guiscriff les 5 et 6 octobre. Normalement, si tout se passe bien d'ici là, j'aurai reçu les fringues. Et sinon, bah écoute, dès qu'ils sont dispo, de toute manière, ils seront en ligne sur le Panzer Shop. Mais t'inquiète pas, je te tiendrai au courant pour tout ça. Sur ce, bah écoute, à bientôt pour la suite des aventures au Panzer Garage. Voilà. Ça fait chier quand même. Allez, ciao les bourrins. Alors, bah, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? Oh, pardon, non, là, t'es pas encore synchro, il est pas encore synchro, ce con! Allez, synchro, micro! Voilà, mieux! Et ensuite, si tu as un petit côté écologique comme moi, tu vois, moi je retape des vieilles bagnoles. Non, putain, mais ça chie, cette jambe. Comme ça, bah, eux, ils verront que tu viens de ma part et ils me remercieront gentiment. C'est nul à chier. Eh bah, faut pas être pressé en tout cas! Bref, assez parlé outillage, on n'est pas là, ce n'est pas du sponsor, c'est juste que, voilà, ça marche bien. Ah, et aussi, si t'es resté jusque là dans la vidéo, sache que je suis en pourparlers pour la W110. On va modifier un peu l'échappement. Ciao.